Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Et aujourd'hui on se retrouve pour la figurine Ice Spyro, le Spyro de glace de Cable Guy. Voilà, j'en ai déjà fait une de vidéo il n'y avait pas si longtemps que ça, et encore je ne sais même plus de quand elle date. D'ailleurs vous inquiétez pas, je vous la remontrerai, voilà, sur la version classique, la figurine classique de Spyro. Mais là, ce que vous voyez en face de vous, donc c'est la version de glace. Et je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a dans la boîte. Alors, je retire la boîte. Alors, tout d'abord, à l'intérieur, on va trouver, un peu comme l'autre, on va trouver tout d'abord un petit câble micro USB, voilà, comme ceci, un petit câble assez classique de 2 mètres. Voilà, bon, assez classique. Mais c'est pas ça le plus important, puisque le plus important, c'est la figurine. Voilà, qui se trouve juste là. Voilà. Évidemment, je vais remettre la boîte. D'ailleurs, la boîte qui est assez bien faite, puisque vous voyez peut-être, voilà, à l'intérieur, je vais reculer Spyro 30 secondes. Voilà, il y a, sur les côtés de la boîte, en fait, il y a un petit environnement de Spyro de glace assez sympa. Voilà, si jamais vous voulez vraiment faire une petite boîte. Tiens, voilà, d'ailleurs, je vais vous montrer rapidement l'autre côté de la boîte. Voilà. Et ainsi. Ce qu'on voit ici, voilà, mais bon, ça c'est pas le plus important. Voilà, je vais refermer la boîte, par contre, ce sera peut-être mieux pour vous qu'on puisse bien voir le tout. Si j'arrive à la refermer, évidemment. Loul. Un petit peu le bordel, mais c'est pas très grave, ne vous inquiétez pas. Voilà, impeccable. Donc voilà, je vous remets la boîte juste ici, mais le plus important, voilà, c'est la figurine. Qui se trouve là, voilà, une très belle figurine aussi, hein. Donc évidemment qui ressemble à celle de Spyro classique que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, je vais prendre l'appareil photo, voilà, pour vous montrer la figurine sous toutes ses coutures, sous tous ses angles. Voilà, comme d'habitude. Alors vous voyez, en plus en bas, il y a un petit peu des petites touffes d'herbe là, voilà, qui sont assez bien faites. Voilà, moi j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, ici on peut voir le torse, on va dire, de Spyro, voilà, fait de glace. Voilà, qui est assez sympathique. Toujours la petite bonne boue de Spyro. Voilà, pareil, sa crête toute bleue, les cornes bleues et blancs. Voilà, idem pour les ailes. Voilà, qui sont assez bien significatives. Voilà, même au niveau du bout de la queue, des écailles de Spyro. Voilà, c'est quand même assez bien fait. Et encore une fois, ça j'aime beaucoup, beaucoup. Vraiment. Une bonne petite figurine, voilà, que j'aime vraiment beaucoup. En plus, que je n'ai eu pas trop cher, hein, puisque cette figurine-là, je l'ai eu comme l'autre. Donc, c'est-à-dire aux alentours de 25 euros. Donc, franchement, moi, j'adore beaucoup, beaucoup. Hein. Puis, encore une fois, tout ce qui concerne le petit dragon violet, moi, j'adore. J'aime beaucoup. Donc, voilà, il est dessus, donc sur ses pattes. Voilà, on peut mettre un téléphone ou une manette. Voilà, comme ceci. Ce qui n'est pas compliqué en soi. Hein. Voilà, je vous montre un petit peu. Le tour. Voilà, puis ça tient bien en plus, hein, ça tient vraiment bien. Y a pas de problème là-dessus. Voilà, je vous montre l'autre côté, voilà, avec ses écailles vraiment toutes bleutées là ici. C'est vraiment super bien fait, bien travaillé, hein, une fois de plus, hein, franchement. Comme l'autre, c'est vraiment très bien fait. Et en parlant de l'autre figurine, si jamais vous n'avez pas vu la première vidéo que j'ai faite sur l'autre figurine, je vais vous la montrer. Voilà, je l'ai fait du coup, donc ici, voilà la boîte, voilà, qui se trouve ici avec le Spyro de base. Est-ce qu'on le voit? Ouais, on le voit à peu près, mais de toute façon, je vais vous montrer plutôt la figurine. Voilà, la figurine se trouve juste là, voilà. Franchement, deux belles figurines, hein, que j'aime beaucoup. Donc, à gauche, la version de glace, à droite, la version classique. Oh, je suis désolé pour les reflets, hein, franchement, voilà, j'essaie de faire au mieux, comme à l'accoutumée. Voilà, je pense que comme ça, ça devrait aller. Ouais, ça va à peu près. Voilà, on peut même faire un petit tour d'ensemble. Voilà, j'ai retiré la manette par contre pour qu'on les voit bien tous les deux. Voilà, je vais reprendre à nouveau la caméra. Hop, et à nouveau, voilà, vous montrer. Voilà, les deux figurines. Voilà, les deux Spyro. Voilà, le Spyro de glace, le Spyro classique. Donc voilà, donc en bas vous voyez pour la version de glace, vous voyez, ils ont mis des petites touffes d'herbe, alors que pour la version classique, voilà, c'est vraiment un socle noir très 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 basique. Voilà, même au niveau, voilà,
tout a été modifié, même au niveau des petites queues. Voilà, des queues de Spyro. Voilà, ici on peut voir la queue avec les écailles faites de glace. Ici c'est plutôt classique, voilà, avec des écailles violettes. Voilà, je vais même vous montrer pourquoi pas le dos. Je vais reposer la caméra. Hop, j'essaie de pas trop bouger quand même. Voilà, impeccable. Donc même au niveau des dos, voilà, c'est quand même assez classique. Voilà, comme ceci. Voilà, où là vous voyez vraiment toutes les écailles bleutées de Spyro de glace, alors qu'ici on voit juste les écailles du dos de Spyro, donc jaune, et derrière donc les écailles qui sont violettes, couleur Spyro, hein. Voilà, même au niveau de la queue, voilà, c'est... Non, puis franchement, en plus, bon, c'est pas de la grosse qualité non plus, hein. Voilà, si je retouche ici, voilà, c'est du plastique, hein. Voilà, vous l'entendez peut-être. D'ailleurs, tiens, sur le Spyro de glace, je vous ai pas montré, mais en dessous, voilà, il y a le petit logo de Cable Guy. Voilà, alors que je crois que sur l'autre, il n'y est pas, hein, je crois, si j'ai bonne mémoire. Donc voilà, en fait, en dessous, voilà, il n'y a rien du tout. Donc c'est aussi un petit truc assez sympa. Voilà, un petit truc qui change et c'est vraiment bien pensé. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Puis quand j'ai vu cette figurine Spyro de glace, ben, je me suis dit, pourquoi pas aussi la prendre, hein. Moi, vous savez, encore une fois, tout ce qui touche l'univers du dragon violet, bah moi j'aime beaucoup, ça me fait vachement plaisir. Voilà, je vais vous mettre bien les deux en face l'un avec l'autre. Voilà, et vous montrer les deux belles figurines. Voilà, le Spyro de glace et le Spyro le type classique. Alors sachez que, donc, comme je l'ai dit, si vous n'avez pas vu l'unboxing de la figurine de Spyro version classique, je mettrai certainement le lien en description. Comme ça, si vous voulez voir cette figurine de plus près, vous pourrez, il y aura pas de problème là-dessus. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter pour cette vidéo. Donc ça aura été une vidéo assez rapide, hein, en même temps c'est un unboxing, hein, la vidéo va pas durer 30 minutes, hein, vous vous en doutez. Donc voilà, c'était vraiment pour vous montrer donc cette figurine, voilà, le petit Spyro de glace, voilà, qui était vraiment qui était encore une fois un coup de cœur, hein, voilà, quand je vois ces figurines, franchement, façon dont il s'agit de dragons, hein, vous me connaissez, je n'hésite pas, je fonce, comme on dit. On fonce avec les cornes, voilà. Allez, donc c'était Top Top donc pour cette vidéo unboxing donc sur le Ice Spyro de Cable Guys. J'espère que cette vidéo unboxing vous aura plu. Et quant à nous, eh bien on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, bah moi je vous dis à la prochaine tout le monde.